un être authentiquement libre. On ne le dit même pas libre. Il est simplement. Il existe, se déploie suivant son être. Il n'est pas possible, non. Il n'est pas possible de constituer par l'injustice, le parjure et le mensonge une puissance qui dure. Alors pourquoi combattre? Il en est de notre idée du bonheur. L'égoïsme que nous connaissons n'est pas naturel, c'est une forme d'ensorcellement. Aussi faut-il être à l'écoute de chaque ouverture, de chaque soulèvement, pouvant être une tentative verticale d'arrêter le temps et de bifurquer vers une issue moins fatale. Tout cela issu d'une force sans nom et joyeuse. On gagne en puissance en combattant un ennemi, non en l'abaissant. L'anthropophage lui-même vaut mieux que cela. S'il mange son ennemi, c'est qu'il l'estime assez pour vouloir se nourrir de sa force. Abandonner l'idée de paix est la seule paix véritable.